Salut à tous, c'est Simon, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va super bien. Je suis super heureux de faire cette vidéo. Cette vidéo c'est un peu une sorte de je réponds à mes méchants commentaires, sauf qu'aujourd'hui j'ai décidé de répondre à mes méchants commentaires homophobes. Donc je trouvais ça assez marrant au final de répondre à ces commentaires haineux et gratuits de manière un peu humoristique, vous allez voir. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et on commence tout de suite à répondre. Bon alors je crois qu'on va commencer avec un commentaire genre du lourd. Je vais choisir lequel pour commencer. Allez. Putain mais sérieux, mode victimisation on. Ouais je suis gay et si je fais mon coming out, c'est pas juste les hétéros ils le font pas. Les pédophiles sont encore plus discriminés, tu te rends compte, on les met en prison. Mort de rire, trois petits points. Bon, je suis genre méga gêné face à ce commentaire, genre en 2018, genre voir des trucs comme ça en mode comparaison homosexualité, pédophilie, je suis en mode. Pas forcément très serein. Je trouve ça vraiment triste qu'il y ait des gens qui pensent encore ça en 2018. Mais bon, faut se dire que c'est qu'une minorité de personnes et on sait très bien qu'ils ont tort. Allez, deuxième commentaire. Tu es fier d'être un dégénéré sexuel et les gens applaudissent. Il est temps que je quitte la France. Bah écoute, pas de soucis, quitte la France. Ciao, bye bye. Bon vent, bon voyage. Voyage, voyage. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar. Ah, et du coup, tu pleuras pas de mauvaise carte postale. Non, en vrai, on serait quand même vachement plus serein si tous les homophobes quittaient la France, quoi. Troisième commentaire, la police doit t'arrêter pour la façon de t'habiller. Ah bah attends, du coup, je vais les appeler. Police municipale de Lyon, bonjour. Oui, allô? Oui, dites-moi. Oui, on me dit que je devrais t'arrêter, en fait, parce que pour la façon dont je m'habille. D'accord, eh bien dites-leur d'aller se faire foutre, hein, ces petits ongulés là, ces petits connards. Et en 2018, on juge pas sur les vêtements. Bon bah voilà, t'as ta réponse. Hein. Du coup, j'irai pas en prison, désolé. Quatrième commentaire, va crever, sale abomination. Alors moi, ce que je te propose de faire, c'est super efficace. Pour soigner ton homophobie, je te propose ça. Tu prends ça tous les matins, tu dilues dans ton café, tu vois. Tu bois ça genre une fois par jour, tous les matins dans ton café. Et je pense qu'en vrai, ça pourra vraiment t'aider à soigner ton homophobie. Et franchement, je pense que ça va vraiment t'aider à te remettre en forme. Ça va te purifier, t'imagines même pas. Y a rien de tel. Allez, prochain commentaire. Quelle est l'utilité de toutes ces bagues au doigt? Moi, j'aimerais te demander quelle est l'utilité de ton commentaire. Et puis du coup, si tu veux que je trouve une utilité à ma bague, ben... What the fuck? Sorry. Allez, sixième commentaire. En espérant que tu croises le sida, pourriture. J'ai même pas quoi répondre à ça, genre y a rien à répondre. Je sais qui a la pourriture entre nous deux, je sais qui attise la haine entre les deux et qui est gratuit et qui est méchant. Du coup, ça m'attend même pas et genre, allez, prochain commentaire. Sodomite, sale PD. Alors vous, la vie de ma m***. Non, je sais pas, je vais en voler. Tu ne pas bi. Tu n'es rien qu'une pute esclave de ta libido perverse comme Emmanuel Macron. Ok. Ok. Ce n'est pas normal, mec. Soigne-toi, Burke. Bah écoute, vraiment, merci beaucoup d'avoir laissé un commentaire et de te soucier de ma santé. Mais voilà, j'ai déjà essayé beaucoup de médicaments pour lutter contre ma bisexualité. Voilà, c'est vraiment une maladie que j'arrive pas à soigner. Donc merci quand même pour ton commentaire. Et du coup, bah, je t'invite à venir discuter avec moi sur mon Instagram SimonVM. Comme ça, je pense qu'on pourra échanger. À propos voilà, de ton homophobie et puis si toi on peut réussir à soigner ça parce que moi du coup j'arrive pas à me soigner. Mon dieu, il y a de quoi se pendre entre la vidéo et les commentaires partisans. Et bah écoute, franchement tu sais quoi, je pense qu'on ne t'en voudra pas. Je vais pas t'inciter à prendre une corde mais on ne t'en voudra pas. Sincèrement. Ils veulent juste se rendre intéressants ces malades mentaux. Mais ouais, de ouf, genre un matin, je savais pas trop quoi faire et tout. Du coup, genre, j'ai décidé de prendre ce livre, ça s'appelle Comment être intéressant, tu vois. Parce que tu vois, genre, j'ai ouvert, tout ça. Je regarde la troisième page et tout. Homosexualité, bisexualité, la clé pour être intéressant. Du coup, j'ai fait, mais vas-y, j'hésite même pas. J'ai fermé le livre. Hop, ça y est, je trouve intéressant. Nique ta mère, putain d'animal dégueulasse. Ça tombe bien, j'ai un truc en moumoute. Donc je suis dans le thème, je suis grave dans le thème. Vous avez soit tous à être gay là, même si t'es bi. Si je suis bi, je ne veux pas être gay. Donc ton commentaire il veut rien dire. Ton surnom genre c'est All My World et tout, genre t'as l'air d'être jeune, on t'en veut pas.
Vous me dégoûtez. Moi, c'est plutôt ton orthographe, du coup, qui me dégoûte. L'image des gays n'est pas représentative, point d'interrogation. Mais t'es une grosse folle. Ouais, de ouf, genre, je suis hyper efféminé comme gars et tout, genre, j'ai grave des manières et tout, t'as vu. C'est quoi sa bille pour moi, c'est un fils de pute qui lâche rien. Bon alors frérot, toi c'est pareil, je pense que tu vas prendre ça genre tous les matins. Mais genre toi tu vas prendre double dose, tu vois, parce que t'en as vraiment vraiment besoin. Il n'y a pas besoin de prescription médicale ou quoi. Si tu veux je te fais un petit certificat médical, je t'envoie ça par la poste. Et franchement deux fois par jour, pense-y. Maintenant tous les gosses deviennent bisexuels, la propagande fonctionne à merveille. Non stop, stop, stop. Ah je vous jure, on lit ces trucs. Non mais... Genre moi je suis un Illuminati aussi. Non, mais... Voilà les réponses, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je voulais juste aussi vous dire que je trouvais ça super triste en fait de recevoir autant de messages de mort et de messages de menaces et de haine, tout ça, juste par rapport à une sexualité. Parce que voilà, on est en 2018 et être hétéro, c'est pas la normalité. La normalité, c'est être gay, être bi, être hétéro, être tout ce qu'on veut en fait. Tout est normal. On est en 2018 et on n'est plus au Moyen-Âge. C'est tout le monde égaux, on est tous humains, on a tous deux bras, deux jambes, et c'est tout, il n'y a pas de supériorité ou de je sais pas quoi. Voilà, donc ça m'embête quand même de recevoir ce genre de message, et même si moi ça m'atteint pas, je me dis qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles et qui sont plus jeunes et qui peuvent être atteintes et qui peuvent vraiment être très mal. On voit qu'il y a beaucoup plus de suicides chez les jeunes homosexuels ou bisexuels, et du coup voilà, ça m'attriste plutôt de ce côté-là. Moi perso, ça. Balèque quoi. Mais franchement voilà, ça m'attriste pour eux. Donc j'en profite pour dire à toutes les personnes bisexuelles et homosexuelles qui me suivent et qui pourraient être victimes de discrimination, vraiment n'écoutez pas ce qu'on peut vous dire ou quoi que ce soit, vous savez ce que vous valez. D'ailleurs si vous êtes victime d'homophobie, n'hésitez pas à contacter SOS Homophobie pour en parler. La meilleure solution c'est vraiment en parler, parlez-en autour de vous. C'est la seule chose qui, voilà, qui vous fera sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Je vous mets le numéro ici, il s'affiche là, voilà, n'hésitez pas à appeler ça si vous avez besoin de parler, c'est un service qui est complètement gratuit, voilà, donc le numéro est ici. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, en tout cas moi j'ai bien aimé faire ça, ça change. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube également, et sur ce, ben, j'ai plus rien à vous dire, je vous fais de gros bisous, et à plus tard dans une prochaine vidéo.